Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 10 septembre 2020, 13h52, heure du Québec. J'espère que vous allez bien même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, mais c'est pas important parce que au fin fond, ce qui va mal, c'est ce qu'on nous présente dans les médias. Et dans toute, si tu regardes l'histoire de l'humanité, dans toutes les périodes, il y a toujours eu et ça a toujours été mal. Peu importe la situation. Hein, peu importe les époques, la situation internationale et mondiale était différente il y a 1000 ans et 2000 ans, mais il y avait des conflits, il y avait des tyrans qui régnaient, il y avait toutes les mêmes choses, sauf que maintenant c'est multiplié par 100, c'est partagé par les réseaux sociaux, par les réseaux télé, par les télécommunications, mais la vie est toujours la même, avec toujours les mêmes défis, les mêmes catastrophes, les mêmes inconvénients. Et tout ce que tu peux imaginer d'embûches dans la vie. Et ça n'a pas empêché l'humanité d'avancer, prospérer, chaque humain, de faire son petit bonhomme de chemin. Nos ancêtres, autant qu'ils ont été, ont fait leur petit bonhomme de chemin, avec toujours les mêmes problèmes, problèmes de santé, problèmes familiaux, problèmes de ceci, problèmes de cela, problèmes économiques, problèmes financiers. Ça, il y en a toujours, puis il y en aura toujours, c'est la distraction. De l'élite, c'est la distraction qu'on offre pour faire perdre le temps aux gens. Et tu as des gens, comme moi le premier à l'époque, j'ai perdu tout plein de belles années à me préoccuper de la politique, à penser que la politique, ça pourrait changer quoi que ce soit, à commenter la politique, par exemple, ou les événements du jour, en oubliant le plus essentiel, Bibi. Moi, face à l'univers, face au temps, face à l'infini. C'est ça qui est le plus important. Face aux autres, à ceux qui m'entourent, qu'est-ce que je peux faire pour devenir la meilleure version de moi-même? Peu importe l'époque dans laquelle tu vis, tu es toujours confronté au même défi le plus important. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Oublie ce qui se passe dans le monde, oublie ce qui se passe au niveau national, international. C'est de la distraction pour l'élite. C'est l'élite qui utilise ça pour garder les gens dans l'abrutissement, dans l'ignorance des vraies affaires. Et les vraies affaires, c'est toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Peu importe l'époque où tu vis, ça sera toujours difficile. La vie, ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas une partie de plaisir. Puis il y a toujours moyen de réussir, il y a toujours des gens qui réussissent, mais ces gens-là sont à leurs affaires. Ces gens-là ont réalisé que le plus important, ce n'était pas le bruit qui nous entoure, mais nous-mêmes. Le bruit que nous, on fait. Quel genre de bruit, quel genre de fréquence on veut diffuser? Des fréquences de cacophonie, des fréquences d'écho, de toute cette cacophonie, ou si on veut diffuser une fréquence harmonieuse de nous, face à nous-mêmes, face à l'éternité, face au temps, face à l'univers. C'est ça qui est le plus important. T'en arriveras toujours à toi. Peu importe les époques qui ont toutes leurs embûches, difficultés, catastrophes, cataclysmes, il y en aura toujours. Puis des fois, ça va aller de plus en plus. Comme là, on est dans une période où c'est vraiment plus difficile. Si tu regardes toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais rien qui est arrivé semblable à ce qu'on vit. Un confinement mondial, une pandémie d'un virus très virulent qui est venu tout mettre en perspective et tout ramener notre conscience à quelque chose de plus essentiel. Parce qu'on voit que tout est éphémère. L'économie est en train de s'effondrer, le système financier, on se rend compte, de plus en plus de gens se rendent compte que c'est du vent, que notre argent repose sur l'air ambiant. On a imprimé tellement d'argent récemment que ça prouve que tout ça, c'est une autre distraction, puis une autre fumisterie ou une autre patente à gosse, comme on dit par chez nous, parce qu'ils peuvent imprimer autant d'argent qu'ils veulent quand ça leur tente, quand ça sert leur intérêt et leur agenda. Donc, pourquoi est-ce qu'on vient fouiller dans nos poches pour nous faire payer des taxes et des impôts quand on vient de nous prouver qu'on peut imprimer autant et autant d'argent qu'on veut quand c'est pour satisfaire les besoins de l'élite, les besoins de l'élite financière, de Wall Street, des bourses, des banques, des gouvernements. Nonobstant tout ça, même si tu t'arrêtes à ça, puis tu te casses la tête, puis tu t'enrages, ça ne changera rien. Donc, perds pas de temps avec ça. Tu vois ce que je viens de t'expliquer? Perds même pas de temps avec ça. Tu es conscient que c'est là, mais le plus important, ça reste toujours toi. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, dans ta vie pour avancer vers le but ultime qui sera de t'en aller ailleurs? Quand tu quitte ce corps-là. Comme j'expliquais à un de mes collègues, Paul, un hindou, super gentil, on parlait ensemble, puis il est conscient de plusieurs choses. J'ai dit, ton corps, parce qu'il avait un problème avec, naturellement, il est ici depuis 2 ans ou 3, je pense, sa femme est restée en Inde, et naturellement, il est seul, il n'y a pas de femme, puis il est dans la trentaine, naturellement, il a des besoins sexuels, mais je lui ai dit, ça, c'est une programmation que tu as, Paul. Tu penses que tu as des besoins sexuels, mais tu ne les as pas. On te les a créés pour toi. Parce que de génération en génération, hein, de père en fils, tu vois ton père et son comportement face aux femmes, et puis tu entends les hommes autour de toi dans ton environnement parler de femmes, être obsédé par les femmes. Donc toi, tu penses, puis on te programme déjà à être comme ça, alors que c'est une perte de temps, tout ça. Toute l'énergie que tu mets, disons, dans l'obsession des femmes toute la journée, puis ça te fait distraire, ça te fait oublier tout l'essentiel. Et c'est le but de ça, c'est pour ça qu'on veut ça. L'élite sait très bien comment fonctionne la nature humaine. On veut que tu perdes ton temps. Et là, tu deviens obsédé, puis moi, je l'ai été. Les femmes, ça a été une obsession pour moi pendant longtemps, jusqu'à ce que je me détache de ça, parce que c'est une perte de temps. Et on t'a programmé comme ça en tant qu'homme, à penser en prédateur, puis à penser juste aux femmes, puis à être obsédé avec les femmes, alors que l'essentiel, tu l'oublies. 1 année passe, 2 années passent, 3 années passent, 4 années passent, 5 années, 10, 20, 30, 40, des fois 50, 60, 70, tu arrives à la fin, tu auras passé toute ta vie à faire quoi? Absolument rien, tu ne seras pas occupé de l'essentiel, c'est-à-dire toi, ton âme. Là, comme j'expliquais à Paul, j'ai dit ton âme, toi, Paul, cette entité-là, qui est unique, ça c'est toi dans l'infini. Dans l'univers infini, tu es là, tu te promènes. Là, aujourd'hui, tu es dans ce corps, ce véhicule formidable qu'est le corps humain. C'est ici que tu t'es arrêté, c'est ici que vous vous êtes arrêté, c'est ici que je me suis arrêté. Pose-toi pas d'autres questions, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour être en mesure de contrôler cette machine extraordinaire? Parce que cette machine-là a un cerveau, a un ordinateur d'une puissance incroyable, qui veut te contrôler, qui veut contrôler ton corps, mais qui veut contrôler ton âme, ce que tu es toi, Sylvain, Dominique, Pierre, Françoise, Sylvie. Ça, c'est toi. C'est pas ce corps-là. Ce corps-là, c'est une enveloppe qui, pff, comme le reste, autour de toi, va faner, mourir et disparaître. Mais toi, tu disparaîtras jamais. Donc, on est tous ici ensemble, arrêtés, dans un espace-temps. Puis on a tous le même combat. Et ce combat-là, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour devenir le meilleur de ce que Paul, Sylvie, Dominique peut être. Dans ce corps qui essaye, avec cet ordinateur-là, le cerveau, de te contrôler et prendre le contrôle de ton âme pour que tu deviennes une espèce de zombie ou de robot qui se laisse contrôler, parce que c'est ce que l'élite essaie de faire. Et ils ont très bien compris ça. Les autres, ça fait longtemps qu'ils ont compris ça. Ils sont intelligents, les autres, ils sont forts. Ils ont compris très, très bien comment ça fonctionne, ce corps-là, et que l'entité qui est dedans, on peut la contrôler. On peut la maîtriser, on peut la programmer. Mais tu as des gens qui m'ont éveillé. Il y a des gens qui sont là pour éveiller cette connaissance-là. Mais tu ne les entends pas, tu ne les entendras jamais à la radio, tu ne les liras jamais dans les journaux, puis tu ne les entendras jamais, surtout pas à la télé. Il faut que tu fasses des recherches pour trouver des gens équilibrés, rationnels, intelligents, qui vont t'expliquer ça. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des gens comme ça. Vous en connaissez, vous les connaissez, des gens comme Gregg Braden, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Sadhguru, Dan Dapani. Ça, c'est ceux que j'aime bien, mais il y en a d'autres aussi, sûrement que vous connaissez, que je ne connais pas, mais moi, je me satisfais avec ça parce qu'ils m'ont amené une connaissance incroyable que j'essaie de vous partager. Parce que c'est l'essentiel de la vie, de ton passage ici. Ces gens-là expliquent très bien qu'on est programmé à cause de cette machine extraordinaire qu'est notre corps, mais surtout cet ordinateur, qui veut prendre le contrôle de notre corps et de notre âme et de ce qu'on est, nous. Et qu'il faut que tu conscientises que toi, tu es pas mal plus fort que ça, puis tu dois prendre le contrôle de ce corps et de cet ordinateur, ce cerveau. Et que si ta personnalité, ton âme, toi, tu réussis à contrôler ça, ben, tu vas arriver au plus haut sommet de ce que tu dois atteindre comme sommet. Puis il n'y en a pas d'autre façon d'y arriver. Ça, c'est pas les politiciens qui vont t'expliquer ça. Puis ça, ça n'a rien à voir avec la cacophonie autour de toi. Ça n'a rien à voir avec le bruit que tu entends, puis que le bruit qu'on a toujours entendu depuis toujours. Parce que ce bruit-là a toujours été là. Puis le plus essentiel, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais pour, justement, contrôler ce corps et ce cerveau? Et c'est ça qui est le combat de notre vie. Chacun d'entre nous. On est tous pareils, on est tous dans la même aventure. C'est pour ça que c'est important d'éliminer toute la négativité, toute la haine, tous les préjugés que tu peux avoir envers quelqu'un. Redeviens l'enfant que tu as déjà été. L'enfant a une pureté incroyable. On l'a tous été, pur. Cette belle planète sur laquelle on est arrêté ici, c'est le paradis. Si on fait tous ce travail-là, si on conscientise tous ça, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Déjà, moi, j'ai fait mon pas. Si toi, tu fais ton pas, l'autre fait son pas, l'autre fait son pas, tu le transmets, tu le transmets, tu le transmets, tu le transmets, de génération en génération. Peut-être qu'un jour, namasté, on arrivera. Peut-être, peut-être pas. Puis c'est pas important, parce que le plus important, c'est toi, parce que tu peux rien faire pour les autres. Si toi, tu as réussi à réaliser ça, à conscientiser ça, puis à comprendre que le plus grand travail que tu as à faire ici, c'est sur toi-même, puis de devenir la meilleure version de toi-même, puis d'accomplir ce que tu as à accomplir, puis accomplir ce que tu as à accomplir, ça ne veut pas dire que tu dois devenir une vedette, un super riche, ou... non. Si ça te satisfait, si tu es heureux quand le matin tu te réveilles, tu veux rechanger le monde, puis tu as l'énergie pour le faire, et que tu as le bonheur de te réveiller, ça veut dire que tu es enclin où tu dois être. Cherche pas plus loin. Casse-toi pas la tête. Continue comme ça, tu as la réussite, tu as le chemin du succès entre les mains. Tu as trouvé ta recette. Si quand tu te lèves le matin, tu es content, tu es heureux, puis tu veux juste sortir du lit, mais que tu veux faire ton lit avant de partir de ta chambre, parce que ça, c'est important de mettre de l'ordre dans notre vie, puis de finir ce qu'on commence. Moi, j'ai été trop longtemps à jamais finir ce que je commençais. Je commençais plein de choses que j'abandonnais partout. Parce que je n'étais pas conscient. Parce que j'étais programmé. Je n'avais pas pris le contrôle de mon âme et de mon corps. On est bien plus fort que ça. Mais il faut que tu conscientises ça. Il faut que tu saches que tu es de la source divine. Puis que ce corps-là, c'est toi qui vas le contrôler. Je te donne un exemple facile. Puis ça, c'est raconté par tous ceux dont je t'ai parlé et plein d'autres aussi, dont je te parlerai peut-être, qui disent que, qui ont réussi parce qu'ils ont réalisé ça, ils ont travaillé fort, il n'y a rien qui vient pour rien. Persévérance, persévérance, effort, persévérance, persévérance, effort. Puis il faut que tu comprennes aussi, comme un le disait, tu n'as pas besoin d'être grand pour accomplir quelque chose. Mais si tu veux devenir grand, tu dois commencer à accomplir quelque chose. Déploie tes ailes, puis tu vas apprendre à voler. Essaye pas de faire le contraire. Vas-y, fonce. Change. Et je te donne l'exemple d'un mec qui racontait ça, vraiment extraordinaire. Je vous en parlerai de ce bonhomme-là un petit peu plus tard. Trop fort, trop intéressant. Et son propos, c'est que la plupart d'entre nous, pour ne pas dire la majorité, sauf ceux qui réussissent. Là, je ne te parle même pas de l'élite. Je te parle du monde ordinaire qui réussissent, qui ont réussi à plusieurs niveaux. D'autres qui ont réussi spectaculairement, d'autres qui ont réussi anonymement. L'important, comme je t'ai dit, c'est que tu te sentes en harmonie. Puis quand tu te lèves le matin, que tu sois toujours dans le bonheur, dans l'apothéose. Puis ça, c'est possible dans la pauvreté matérielle comme dans la richesse matérielle. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'intérieur de toi. C'est ton intérieur qui fait que tu te sens comme ça quand tu es en harmonie, quand tu es en équilibre, quand tu es en connexion, puis quand tu as pris le contrôle du corps dans lequel tu es et le cerveau, cet ordinateur-là. Ça peut que tu t'accomplisses des petites choses, c'est pas important. Dès que tu te sens en équilibre, tu vas te sentir en extase toujours. Puis ça, c'est le signe que tu es exactement où tu dois être. Et que ça va bien, puis que tu dois continuer comme ça, et tu dois persévérer. Parce que la plupart des gens abandonnent dans tout ce qu'ils accomplissent. Moi, j'étais le premier, comme ça. À peu près à 40% du chemin accompli. Je te donne un exemple. Quand j'ai commencé à faire du jogging, à peu près, j'ai arrêté de boire il y a 3. Ça va faire 3 Noël bientôt. Moi, j'étais un alcoolique. Fini. L'alcool, c'est probablement un autre outil que l'élite utilise pour nous vraiment nous ravager. Tu n'as vraiment pas besoin d'alcool dans la vie, là. C'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment quelque chose que tu dois éliminer de ta vie si tu es capable. Ça va vraiment te faire toute une différence. Moi, ça change. C'est ça qui a commencé à changer ma vie. Déjà avant, j'avais arrêté la consommation de la drogue. Ça aussi, la drogue, tu n'as vraiment pas besoin de ça dans la vie. Puis tous les vieux dictons, puis les vieux... Ce que nos parents nous disaient, « Ah, il faut que tu vives sa vie, il faut qu'il vive sa vie. » Puis non, non, tu n'as pas besoin de gaspiller ta vie, moi je te le dis, là. Puis nos parents devraient nous le dire. Mais c'est parce qu'eux autres aussi ont été programmés, puis ils n'ont pas eu la force d'apprendre puis de comprendre ce que je t'apprends là. Mais tu n'es pas obligé de consommer. Tu n'es pas obligé de faire les erreurs. Si tu peux les éviter, c'est encore mieux. Tu comprends? Donc, quand j'ai arrêté l'alcool, moi, ça a changé toute ma vie. La drogue avant, c'était déjà une étape, mais il restait l'alcool, tu n'es pas plus avancé. C'est deux drogues pareilles. Ou les médicaments, c'est deux drogues pareilles. Tout ce qui altère ce que tu es, tout produit qui altère ce que tu es, tu n'en as vraiment pas besoin. Tu dois rester ce que tu es, comme tu es. Puis tu dois avancer, foncer, puis lutter avec la sobriété, pas avec des substances qui vont t'emmener encore dans les abysses les plus profondes. Donc, si je reviens au fait que 40% des gens abandonnent, toutes les gens, je veux dire, abandonnent à 40% du but. Et ça, c'est des statistiques. Donc, quand j'ai commencé à jogger, puis je vais te montrer comment le cerveau fonctionne, et c'est là qu'il faut que tu le contrôles, toi, en tant qu'entité, Roger, Sylvain, Françoise, Ginette ou Jean. Je commence à jogger en février dernier, à peu près, hein, pendant le confinement, février-mars, disons. Et là, c'est difficile de ne pas jogger pendant... Moi, j'ai déjà jogué longtemps, quand je faisais de la boxe, plus jeune, et ainsi de suite, mais... Là, j'avais un mode de vie, bon, je travaillais, mais je buvais, je mangeais pas bien. C'était pas facile au début, donc je commence. Ma femme, elle avait déjà commencé à jogger depuis 2 ans. Elle m'a donné un peu l'exemple, elle m'a poussé, mais quand j'ai arrêté de boire, j'ai senti que j'avais besoin d'aller ailleurs. Parce que quand tu fais un effort, tu es récompensé par le cosmos, tu as quelque chose d'autre qui t'attend, puis qui t'inspire. Donc là, je disais, OK, je commence à jogger. Ben, je peux te dire une chose, la première journée, disons qu'on a pris un trajet de 2 km, on s'était donné ça, je m'étais donné ça comme objectif, rendu à 40% du 2 km, mon cerveau me disait, wow, 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 le corps n'est plus capable. Mais c'est pas vrai! C'est ton cerveau qui veut prendre le contrôle de ton corps et lui dire, faut que tu arrêtes ici. Parce que lui, le cerveau, il ne veut pas t'amener plus loin, il ne veut pas te faire performer, il ne veut pas t'amener... Qu'est-ce qui peut t'amener plus loin? Qu'est-ce qui peut te faire performer? Qu'est-ce qui peut te faire t'améliorer, te transformer, donner le meilleur de toi-même? Comparativement au règne animal, nous, ce qu'on a comme différence, c'est notre âme, ce qu'on est. Ça ne vient pas dénigrer le règne animal, pas du tout. C'est juste deux choses différentes. On est un autre être, une autre forme de vie. C'est ce qui nous différencie des plantes, des animaux, des concombres puis des tomates. Mais ça ne vient pas dénigrer ni les concombres ni les tomates. Une tomate est une tomate et va être une tomate à 100%. Un concombre est un concombre et va être un concombre à 100%. Nous autres, on est un être humain qui descend de la divinité et il faudrait qu'on soit à la hauteur de ça. Et non pas se comporter comme un animal. Ce que l'élite aime qu'on fasse. Parce qu'on est plus facile à contrôler quand on se comporte en animal que quand on se comporte en être humain complet, qui est en contrôle de son corps et de son cerveau. Donc, là, je jogue, mon cerveau m'envoie tout de suite un message parce qu'il veut abandonner. Il était programmé à abandonner, puis à te mettre des limites parce que depuis que tu es petit, ce qu'on a fait, tes parents, sans s'en rendre compte, c'était pas de façon méchante, hein? Mais ils t'ont habitué à te mettre des limites. De toutes sortes de façons, dans ton éducation. L'école est venue te mettre des limites dans toutes sortes de façons. Tu ne peux pas aller aux toilettes sans demander la permission, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas parler si ce n'est pas le temps. Tu as des limites partout. On veut te mettre des limites parce qu'on veut commencer tout de suite à programmer ton cerveau, à avoir des limites. Et on ne t'apprendra pas ce que je viens de t'apprendre là, à l'école. Ça, c'est sûr et certain. Et là, une fois que tu découvres tout ça, parce que moi, j'ai eu la chance de tomber sur tous ces gens-là qui m'ont éveillé, hein, les Lipton, Braden, Sadhguru et tous les autres, là, tu te rends compte que là, tu l'expérimentes, puis tu vois que c'est vraiment fort, c'est vraiment vrai. Donc là, je suis en train de jogger, mon cerveau m'envoie le message tout de suite de l'abandon. Parce que c'est ça qu'on nous a programmé. C'est à ça qu'on nous a programmé, à abandonner tout. Parce qu'ils veulent que tu abandonnes. Imagine si tout le monde devient ce qu'il doit être, si tout le monde atteint son nirvana, si tout le monde donne le meilleur de ce qu'il doit être. L'élite va s'effondrer, mon ami, mais ça n'arrivera pas demain matin. Donc, moi je dis à mon cerveau, comment ça, arrêtez? Moi, Jean Granger, toi tu vas me dire que rendu à 40% du but que je m'étais fixé, donné, toi tu vas me dire que le corps n'est plus capable puis il faut que j'arrête? C'est là où il y a la différence entre ceux qui arrivent, ceux qui réussissent. Puis oublie la réussite financière, là, je te parle de du bonheur d'avoir accompli quelque chose. Ça n'a rien à voir avec... Ça peut être un geste vraiment banal, là. Ça n'a rien à voir avec t'acheter une voiture de 2 millions de dollars. Non. La satisfaction de du devoir accompli, tu comprends? Ou de l'accomplissement. Toi, le cerveau, tu m'envoies le message que ça y est, c'est fini, il faut abandonner. J'ai dit non, 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 non. Parce que j'avais écouté un gars qui, lui aussi, est passé par là. Puis je vous en parlerai de ce gars-là, il est extraordinaire. Puis c'est lui qui dit, on abandonne tout à 40%. Puis il ne faut pas, parce qu'il dit, ton corps il est capable d'en faire encore plus que ce que le message de ton cerveau envoie. Donc là, j'ai mis ça en application, puis ça marche. Il faut que tu écoutes les bonnes personnes. Les seules personnes qu'il ne faut pas que tu écoutes, c'est les médias, les journalistes, les analystes, les politiciens, puis les artistes. Eux autres font partie de l'élite. Eux autres, ils racontent n'importe quoi, puis eux autres, ils veulent que tu abandonnes tout parce qu'ils veulent que tu sois à leur service. Parce que c'est comme ça qu'ils règnent. Donc, toi, il faut que tu deviennes le seigneur de ton univers, puis de ton règne. Puis qu'eux autres, ils n'existent plus. C'est juste de la distraction puis du bruit. Anyway, ça ne vaut même pas la peine. Eux autres, ils ne te connaissent même pas. Ils ne viendront jamais t'aider, payer une facture ou quoi. Eux autres, ils sont là juste pour te garder à leur service pour que tu les enrichisses. Oublie ce monde-là. Ils ne te connaissent même pas puis ils ne veulent surtout pas te connaître. Ils n'en ont rien à cirer de nous autres. Il faut que tu t'en remettes à toi-même en respect de tous ceux qui t'entourent, qui sont comme nous dans le même combat. La lutte pour s'améliorer. Faire un monde meilleur, juste autour de nous. Oublie la totalité de la planète, là. Tu ne peux pas contrôler ça. Si toi, tu peux mettre ta vie en ordre, devenir une personne meilleure, le meilleur de toi-même, mettre de l'harmonie autour de toi, dans ton foyer, puis ça s'agrandit déjà, c'est tout un accomplissement. Puis si chacun fait ça, on monte les fondations de quelque chose d'extraordinaire. C'est ça que j'ai réussi à comprendre. Enfin, namasté, ça a pris du temps. C'est ça que je vais essayer de vous propager comme message, puis vous partager. Puis je ne suis pas meilleur qu'un autre. C'est juste que quand tu as la volonté de vouloir le faire, tu as pris la conscience, tu as eu conscience que c'était le temps de faire ça dans ta vie, bien, il y a du monde qui sont là pour t'aider. Et c'est extraordinaire, mais tu ne les entendras pas à la télé, tu ne les entendras pas à la radio, surtout pas à la télé, pas à la radio, puis dans les journaux, eux autres, ils ne veulent pas ce monde-là. Ils ne veulent pas qu'on les entende. Donc, j'ai dit à mon cerveau, « Are you kidding me, man? » Moi, je me suis mis 2 kilomètres. Même s'il faut que j'arrive à genoux, je le fais. Bien, c'est vrai ce que le mec disait. Ton corps, il peut en faire bien plus que ce que le message de ton cerveau t'envoie. Parce que ton cerveau, depuis ton tout jeune âge, a été programmé à abandonner. À abandonner. Je voulais absolument partager ce message-là parce que j'avais de l'inspiration, puis ça semblait vouloir bien sortir, là. Je voulais te parler d'autres choses, mais j'y reviendrai parce que ça, c'était trop important. Puis je vais toujours revenir là-dessus de plus en plus. Et je vais vous parler de ces gens-là de plus en plus, qui sont vraiment plus importants que tous ceux qui font le bruit puis la cacophonie depuis les milliers d'années dans lesquelles l'humanité a avancé, prospéré, évolué. Je vous reviens.